Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo swap que j'ai fait avec Aurélie de la chaîne PingLady77. Donc c'est un swap qu'on prépare depuis le mois de mai. Donc on avait un budget de 25 euros, mais on a tous les deux dépassé. Donc je vais vous montrer le swap déballé parce que j'ai eu un souci avec ma vidéo. Donc du coup je vais vous montrer ça. Donc, j'ai reçu une carte Anguides avec marqué coucou Miss. Déjà, merci de m'avoir proposé ce swap, mon premier lol. Donc, j'espère que tout te plaira. En tout cas, je l'ai fait avec le cœur. Pour le menu, tu dois faire dans l'ordre car ça se suit. Si tu peux le faire en vidéo, sinon je comprendrai. Je t'embrasse, Aurélie. PS, merci de ta fidélité sur ma chaîne. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un menu comme ceci, fait main. Donc le 1, c'est une couleur idéale pour le printemps. Donc c'est un rouge à lèvres de la marque Essence. C'est le 01 Coral Curling. Donc comme ceci. Je ne sais pas comment lire. Voilà. Faire un swatch. J'espère que vous verrez avec la luminosité. Voilà. Ensuite, tu pourras l'emmener en voyage. Donc, c'est une palette Max & More. Un quattro. Comme ceci. J'espère que vous avec la luminosité. Donc voilà. Merci. Ensuite, belle jusqu'au bout des ongles. Donc c'est un vernis de la marque Rimmel qui est comme ceci. C'est le 210 Mint Delicious. Comme ceci, c'est un bleu. Ensuite, parce que c'est pratique pour les ranger, donc du coup c'est un range coton. Donc voilà, j'ai mis mes cotons dedans. Voilà. Ensuite, un choix de 28 couleurs. C'est encore une palette de Max & More comme ceci. Je vais l'ouvrir. Qui se présente comme ceci. Vous verrez les couleurs. Voilà. Ensuite, c'était, tu t'en serviras avec le numéro 8. Donc, c'était un coloriage comme ceci avec des mandalas. Je n'avais pas, donc ça va m'occuper. Et pendant mes gardes d'enfants aussi, je pense. Et le 8, c'est des crayons de couleur. Les montrer, mais c'est tous des crayons de couleur. Ça se présente comme ceci. Ensuite, une douceur qui se ne mange pas. Donc, c'était un gel douche Dope à la guimauve que je devais m'acheter. Du coup, elle l'a fait pour moi, qui sent le bonbon. Ça sent vraiment le bonbon. Et le 10, c'était... Par contre, celui-ci se mange, ça vient de mon pays, la Belgique. Donc, il est dans mon frigo. C'était une sauce à l'ail. Donc, du coup,
Voilà, donc je vais pas vous la montrer. Ensuite, en bonus, j'avais un gloss comme ceci de la marque Max & More. C'est un beige rosé. Un rouge et un rose de la marque Sephora. Et en bonus, il y avait aussi un fard Kiko. Du coup, que j'avais fait la vidéo, j'avais dit que je l'avais peut-être. Du coup, vu que je refais la vidéo, je ne l'ai pas. J'ai le 162, mais pas celui-là. Donc, c'est un bleu comme ceci. Il y avait du chocolat. Et plein de petits sachets de bonbons comme ceci. Donc, Aurélie, je te remercie pour ce swap. Tout m'a plu. J'ai déjà vu avec toi pour faire des enveloppes surprises à partir du mois de janvier. Tu as accepté de faire ça avec moi, donc je te remercie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.